Ce n'est pas à Paris, mais bien en Normandie qu'Édouard Philippe a tenu à rencontrer son homologue russe, dans son propre fief du Havre. Un signe qui ne trompe pas et qui tend à montrer la volonté de la France à relancer les relations entre les deux pays. 14h45, Dmitri Medvedev arrive devant la mairie. La poignée de main est franche, les deux hommes se sourient. Il faut dire que c'est la première visite d'un haut responsable russe depuis 2 ans. C'est dire le froid entre Moscou et Paris. Les deux hommes se sont ensuite entretenus avec leurs conseillers durant 1h30, l'occasion d'aborder les crises internationales, notamment entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi en Iran. Les tensions qui existent dans le Golfe et l'importance, et je crois que nous partageons entièrement tous les deux, d'éviter les dérapages et de favoriser la désescalade. Cela passe essentiellement par du dialogue confiant, du dialogue réel. Mais nous avons, je crois, tous les deux conscience de la très grande sensibilité de la situation. Autre objectif lors de cette rencontre, la dynamisation des relations économiques entre les deux pays, un point délicat à cause des sanctions européennes dans ce domaine. Malgré le contexte qui n'est pas, disons, très facile avec l'Union européenne, néanmoins, les contacts entre la Russie et la France continuent à se développer. Nous nous rejoignons à dire qu'il faut être plus actif, il faut trouver de nouvelles possibilités, y compris la coopération dans de nouveaux domaines. La reprise de dialogue entre Édouard Philippe et Dmitri Medvedev se poursuit. Un dîner de travail est d'ailleurs prévu ce soir entre les deux hommes. Les relations entre la Russie et la France sont-elles en train de se réchauffer? C'est en tout cas une première étape avant d'espérer une nouvelle rencontre, mais cette fois entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine.